What's up, gens de l'internet, j'espère que vous êtes tous magnifiques de personne parce que je n'ai pas d'amis. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième épisode de notre Let's Play sur Neodia. Mais aujourd'hui, les amis, nous allons faire une des quêtes les plus difficiles, je crois. Non, en vrai, je sais pas. Mais j'ai décidé de créer, on a créé dans le premier épisode la pioche. Dans le deuxième épisode, on a créé la hache. Maintenant, on va créer la houe, les amis. Et on a aussi 4 clés de vote, une clé émeraude et un peu de trucs aussi. On va passer niveau 5. Comment ça s'appelle, d'un chasseur, et on va pouvoir alors passer au rang supérieur, donc on va faire slash rank up, donc c'est plutôt cool. J'ai aussi fait l'achat d'un grade diamant que vous allez voir dans la vidéo, je vous présenterai tout ça, et j'ai aussi fait, j'ai reçu un méga don que je vais mettre tout de suite après cette séquence, donc vous allez avoir l'intro, la start de la vidéo, un don, et on va retourner au truc. Encore désolé pour le bruit derrière, les amis. Il y a soit mon chien qui pleure, qui fait le con, ou soit il y a l'air climatisateur qui fait un méga bruit parce que il fait super chaud chez moi. Donc voilà, c'est parti. Aujourd'hui, on va faire la quête du paysan, les amis. Donc comme vous savez, le paysan nous demande de récolter 576 blés de fermier. Donc c'est vraiment du blé qui se retrouve dans le spawn, soit ici ou soit là-bas. Et ensuite, on lui donne. Et ce bâtard, il est content, il nous donne 5000 balles. Maintenant, il faut récupérer plusieurs trucs qui sont vachement chiants. Donc, il va falloir aller dans le monde ressources parce que ça nous prend 128 laine, 128 plumes, 128 cuir, 64 cuir de lapin et 128 porc cru. Donc, il y a certains trucs qui sont plutôt intéressants parce qu'on peut les farmer sur l'île. Mais la plupart, il faudra aller, comme les peaux de lapin et tout, il va falloir aller dans l'autre monde qui va être un peu plus chiant, les amis. Donc, ouais. On va voir ce qu'on peut faire avec ça, mais on a déjà un peu de loup, de trucs de loup ici. Ah oui, on a déjà la laine, donc 128 de laine, c'est bon. C'est quoi donc, on avait besoin 128 de vaches, donc on va tuer de la vache les gars, hein. On a 600 vaches à tuer, je vous reprends lorsque j'ai tous les ingrédients pour passer à la quête suivante, je vous laisse sur le don. Ok, c'est bon, voilà Abdullah les gars, il y a Annebe qui veut me donner un don, il m'a dit Rek Icons, j'étais en train de commencer à faire les quêtes et j'ai eu une clé et les clés de vote, j'allais ouvrir pour la prochaine vidéo. Il m'a donné déjà 700 000, ah d'accord, kit bouffe, MDR, Annebe, ok, what, j'ai 1 million maintenant les gars. Bah merci mec. T'es un mec sympa. Voilà. Non, désolé, j'ai zéro crédit. Oh là là voilà. Ah, j'ai aussi le diamant maintenant les gars. Donc quand on fait slash boutique, on fait grade. Maintenant on a. Merde, on peut pas voir qu'est-ce qu'on a comme avantage. Fait chier. Attends, bah TDS. Bah c'est ce que je voulais vous montrer. On a 40% d'XP gagné avec le métier de mineur et ces trucs-là. On a pas mal d'avantages aussi. J'ai 1.5 quand on vend des trucs. Sell all. Ah, j'ai vendu tout le blé. C'est 1.5. J'ai vendu le blé que j'avais besoin pour faire la quête du mineur. Putain de merde. What, les gars? En fait, je crois que le serveur, il a eu un bug. En fait, il y avait un redémarrage, les gars. Et là, regardez, maintenant, je peux voler dans le monde des trucs. Ça va être beaucoup plus simple pour trouver mes poulets et tout. Je dois trouver des poulets et encore de la rabbit hide, les gars. Ah, les poulets, j'ai assez. La rabbit hide, gros, c'était galère de ouf. Ça fait 1h30 depuis mon dernière séquence. 1h30, les gars. Je cherche des fucking lapins de merde. Je sais pas du tout comment, où on trouve des lapins. J'ai regardé sur internet, ça disait dans les taïgas, dans les biomes, trucs. Mais là, j'ai remarqué, regarde, on a slash fly et tout. J'ai essayé de faire slash game mode à voir, mais non. Mais regarde, vous voyez, c'est tout buggy en fait. Et il y a personne en fait. On dirait que je suis tout seul sur le serveur. Donc j'ai profité d'un gros bug sa mère du serveur. Et là j'espère que je vais pouvoir en profiter pour aller trouver mes lapins qui manquent. Je sais pas comment qu'on pourrait faire. Oh nice. On prend des poulets qu'on voit sur le chemin. Peut-être qu'on pourra revendre les plumes à quelqu'un plus tard. Mais j'ai une looting 3 donc ça devrait aller assez vite. Donc je vous reprends lorsque j'ai trouvé les lapins les gars. Ça me prend 64 pots et je suis à 49. Donc on n'est pas très très loin. Mais quand même ce serait cool de. Ah ouais, en plus il y a des îles volantes. Putain c'est vrai, ça doit être trop bien pour aller sur les îles volantes. Y a pas des. Non, y a pas de poulet. Y a pas des îles volantes là. On peut pas avoir une île volante vite fait que je puisse aller dessus, voir. J'ai jamais été, les gars, sur des îles volantes encore. Voyez-vous les lapins? Je vois pas de lapins. Puis bizarrement, c'est bizarre, y a personne sur le serveur. Hein. J'ai bien fait la commande slash RS, on m'a pas TP ou quoi. Regarde. Yo, j'ai vraiment bien fait la commande et tout. Je comprends pas. Normalement, il est censé avoir aussi des îles dans le ciel qui spawnent. Mais là, y a pas l'air à rien à voir en fait. On va se promener un peu autour ici, les gars.
Et on va voir peut-être pour des îles volantes. Bah, je vous reprends dès que j'ai soit une île volante ou des lapins, quoi. Je vous dis à tout de suite. Ok, les meufs, j'ai acheté. Bon, bah, on va croire qu'elle m'a redonné de la thune. Je lui ai acheté les dispos qu'il manquait. Donc, je pense qu'on a tout pour faire la quête du fils de pute. Au passage, j'ai été réglé le bug. C'était report par un de mes potes. C'était report. On peut plus voler dans le monde minage, les gars. C'était juste que les serveurs étaient complètement buggés. Regardez, ça l'arrête de marrer pour. Bien sûr, de s'assurer de tout réparer, tout ça. La quête était par où, le paysan? Je crois que c'est par là, ici. Hein. Si je me souviens bien, je me souviens bien. C'est ouais, c'était ici, parfait. Ok, je crois que normalement, le paysan, maintenant, on a tout ce qu'il veut. J'espère, parce que sinon, je vais avoir envie de me suicider. Ouais, on a les ingrédients, c'est parfait. Super, ensuite, on a gagné un Apollon. C'est quoi un Apollon? C'est ça. Item dans le serveur, saut de faire apparaître un cheval tous les... tous les heures, j'imagine. Ok, what the fuck? Ça te prend de la laine de couleur blanche, orange, magenta, jaune, vert clair, rose, gris, cyan, violet, bleu, marron, vert, rouge, noir. Ok, sa mère. C'est pas cool, ça. La... Oh, mon Dieu, les gars, ça va être chaud, ça. Vraiment, ça va être chaud, sa mère. Oh, bah, vous savez quoi? Avant qu'on fasse autre chose, les gars, j'ai des clés. J'ai une clé émeraude, sa mère, qu'on va ouvrir. Et j'ai 14 clés de vote. Donc, let's go ouvrir la clé émeraude. Allez, please, please, please. Quelque chose de bon, d'énorme, d'incroyable, de sucré, de pot de fleb. Ah, c'est pas top top. C'est pas top top, mais je crois que notre pote Nathan, il en avait besoin. Donc on va voir, je vais l'MP. Nathan FR, t'es là. J'ai win de pot dans pot de fleurs dans la caisse. T'as toujours besoin. On va voir, on va voir. Et on a aussi slash sell all. Attends, c'est pas... On a quoi d'intéressant? On a pas grand chose d'intéressant. Slash sell all. Voilà, on a tout vendu ce qu'on pouvait. Ah, les 14 clés de vote. Let's go, c'est parti, les gars. Ça nous prend de la mossy cobblestone ou de la nether brick ou de landstone. C'est pas un raccochon, c'est un peu de la merde. Parce qu'on veut améliorer la valeur de notre île, les gars. Ou, bien sûr, des âmes. Des âmes de ou, de pelle, de trucs comme ça. C'est 30 000 balles, ça vaut quand même. Ça serait pas mal. Particule homme-feu pendant 30 minutes. Je sais pas c'est quoi ça, mais ok. On est un homme-feu, faut croire. On a gagné un spawner à mouton, ce qui est pas mauvais. Pas mauvais, mauvais. On en aura besoin de toute façon pour les laines de toutes les couleurs. Là, ça va être un peu chaud, ça d'ailleurs. Je sais pas comment on va faire. Ça va nous sûrement. Oh, 2 500 $. Ça va sûrement nous prendre des fleurs de toutes les couleurs et des trucs comme ça. Donc, ça va être un peu chaud à obtenir. Mais bon, on verra bien de toute façon. Une potion fly? Non, d'Asulcène. Ça vaut rien d'Asulcène, malheureusement. C'est pas top top. C'est dommage qu'on peut pas quitter et à l'instant recevoir notre récompense. Parce qu'on en a quand même 8 au vert. Bon, je vais faire un récapitulatif plus tard. Ok, les gars, on a eu quelques mossy cobblestone, un autre spawner, 10 000 de thunes. Rien d'incroyable en vrai. Dommage, rien d'incroyable. Mais bon, ça fait toujours ça de plus. Hein. C'était juste, c'était les votes du vote parti. Et 4 fois déjà voté. Donc en vrai, c'est pas si mal. Let's go, farmer la laine maintenant. Ça va être un peu chaud sur cette quête là. Donc souhaitez-moi bonne chance, mes chers collègues. Ça risque d'être long de sa mère. Ok, doki, les gars, j'ai tous les ingrédients. C'était galère de ouf. Et on a enfin l'âme de ou. Enfin les amis, je viens d'en crafter une, je vous reprends. Ok, doki les amis, comme vous avez vu, j'avais pas le temps de filmer, mais en gros, on a crafté la houe. La houe, on l'a crafté, la houe du maraîcheur. Je sais pas ce que ça veut dire exactement. Mais en gros, je pensais que c'était mieux que ça, mais en fait, pas du tout. En fait, pour le farming, c'est très, 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 très compliqué. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, faut récolter la canne à sucre. Ensuite, il faut récolter le blé, la carotte et tout ça. Mais la façon d'XP, c'est trop, trop, trop long, en fait. Il y aurait dû faire en sorte que tu puisses au moins obtenir dans la première dans le premier des crafts, cette pioche-là, qu'elle replante au moins les plantations. Parce que là, replanter les plantations à chaque fois, c'est insupportable. Le seul truc que tu peux faire, c'est de la canne à sucre. Et au bout d'un moment, tu es bloqué, tu dois faire du blé. Donc, ce système, je trouve que c'est un peu mal fait. Ouais, je vais avoir besoin de votre aide, les gars, pour le niveau de farming. Vous allez devoir m'aider en faisant un slash TDS fermier icons. Quand vous êtes connecté, que je suis connecté, s'il vous plaît, aidez-moi pour monter au moins niveau 15 pour qu'on puisse avoir la hache pour replanter et ensuite pouvoir farmer de ouf les carottes, les canne à sucre, le blé et toutes les autres plantations. Parce qu'il y a quand même pas mal de plantations qu'on va pouvoir farmer un coup qu'on va être niveau 15. Voyez, on va pouvoir farmer la citrouille. La citrouille, ça va être aussi plutôt intéressant aussi. Et là, on va pouvoir crafter la viticulateur. Et la viticulateur, si je me souviens bien, c'est celle, elle replante automatiquement. C'est où... Tu vois...
One shot les citrouilles, les melons et les citrouilles, donc on peut faire un champ de citrouilles. Et je sais pas c'est où, mais ça replante automatiquement lorsqu'une carotte, blé, patate, ouais c'est ça, c'est la vignon, c'est au niveau 25. Mais bon, au niveau 15, au moins on va pouvoir faire un champ de citrouilles qui va être, et melon, qui va au moins être beaucoup plus intéressant quoi pour nous. Donc voilà, j'aurai besoin de votre aide, et puis voilà. On se laisse sur ça aujourd'hui les amis, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et puis moi je vous dis à bientôt, c'était Icons. Si vous avez besoin des âmes de ou de pioche, j'en mets dans mon HDV pour pas trop cher. Allez les acheter, je vous aime, c'était Icons, ciao ciao.